Là aussi, il y avait une époque, il y avait une rencontre. Comment ça s'est passé, l'arrivée du rock'n'roll en France? Je ne sais pas comment vraiment ça s'est passé, mais disons que moi, j'étais un fan des chanteurs américains. J'ai très peu tourné de films. Oui, Gilles, on parlait de Brel il y a quelques instants. Toi aussi, il y a des rencontres qui ont marqué ta carrière? Des rencontres, il y en a eu plein. Il y a eu d'abord les gens qui m'ont amené à ce métier-là, qui s'appelait Jacques Trenet le premier, mais que je n'ai rencontré que deux fois, et le temps de lui dire ma admiration et de lui serrer la main. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, parce que j'ai fait les premières parties de Georges Brassens, donc c'est un personnage extraordinaire. J'ai fait aussi les premières parties de Jacques Brel, de tous les grands de cette époque-là, Gilles Berbeco. Il n'y a que Charles Aznavour, non, je n'ai jamais eu la chance de faire la première partie. Mais disons que tous ces gens-là m'ont amené à faire ce métier un jour, et tout à fait par hasard d'ailleurs, parce que je n'étais pas appelé à le faire théoriquement. Et chacun à sa manière et à son époque t'a aidé à avancer dans ta carrière, dans ta vie. C'est ce que disait Daniel, c'est quand on est comme ça à côté de grands personnages. Je crois tout simplement, et que c'est valable pour chacun d'entre nous, on a tous eu des influences, mais c'est tous les rockers français, ça a été Elvis, ça a été d'autres racines, mais on a des gens qui nous ont impressionnés. Et à 18 ans, à 20 ans, on a essayé de les imiter. On était totalement incapables, voire quelquefois ridicules, mais tout ça a mûri, a grandi, et a fait qu'un jour, on a réussi, tous, chacun individuellement, à trouver notre style personnel et à faire quelque chose qui ressemble, pour moi, Gilles Dreux, pour Myriam, pour Daniel Gérard, et pour Herbert Léonard. Juste une chose, c'est que je pense aussi que tous en tant qu'on est ici, on a la chance d'avoir une voix propre, qui nous est propre. C'est-à-dire que moi, je connais plein de gens qui chantent très très bien, mais qui chantent comme quelqu'un, comme Mireille Mathieu ou comme Johnny Hallyday. Et là, c'est plus difficile de commencer parce qu'il y a déjà ce quelqu'un. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un timbre de voix qui est propre à chacun d'entre nous. Il y a quatre voix bien reconnaissables. Oui, il y a quatre voix et quatre styles, bien sûr, hein, bien reconnaissables. La personnalité de la voix. Ça fait partie, c'est un timbre de... C'est une couleur, c'est quelque chose qui dit « Ah tiens, je l'entends, c'est un tel ». Donc il faut à la fois savoir apprendre de ces maîtres-là, savoir grandir avec eux, mais trouver et sa propre voix. Savoir à un moment s'en dégager et trouver son style personnel. Ce qui n'est pas toujours facile, hein. On patauge un bout de temps. Enfin, pour moi, ça a été le cas. Jusqu'à 30 ans environ. Alouette, c'est arrivé comment? Alouette, c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est une chanson qui ne m'était pas destinée. Elle était destinée à un chanteur qui nous a quittés depuis longtemps, qui s'appelait Jean-Claude Pascal, qui était dans la même maison de disque que moi. Bien sûr, dans ton souvenir. Et Jean-Claude Pascal, qui avait un sens aigu de son métier, qui n'était pas un homme très facile, mais qui avait un sens aigu de son métier, a dit au producteur, Norbert Sanada, « T'es complètement fou, je pourrais jamais chanter ce truc-là. » Donc, j'étais ce jour-là en studio, je faisais partie des choristes. Et le producteur m'a dit, pour qu'on ne perde pas cette chanson, fais une voix témoin. Et c'est une voix témoin qui est arrivée sur le bureau de Lucien Maurice, qui était le directeur des programmes d'Europe 1, à qui le producteur dit, à qui on pourrait mettre cette chanson? Et Lucien Maurice lui a dit, mais t'inquiète pas, tu fais chanter ce mec-là, et moi j'en fais le disque de la semaine dès qu'il sort. Voilà comment ça commence. Le hasard, hein? Être au bon moment à la bonne place, il y a une grande chance dans ce métier. Je crois que toutes les carrières, bon, il faut avoir travaillé, il faut avoir un petit brin de talent, mais il y a toujours la rencontre, parce que une grosse réussite, une grande chanson, aucun des artistes que tu intervieweras te dira autre chose, c'est la rencontre d'une œuvre. Alors ça peut être un auteur, compositeur, interprète, ça peut être un auteur, un compositeur, plus un interprète, la chanson pour un interprète et une époque donnée. Moi j'ai eu la chance qu'elle sorte en 68, mélodie sud-américaine, ma carrure, ma voix, on sortait d'une révolution, ça a marché.